Ah ouais, quand même. Du coup, t'as trouvé d'où elle venait? C'est le genre de trou qu'il faut trouver très rapidement la source, tout bloquer. Et est-ce que ça recommence pas, quoi? Ah, c'est quoi un poisson d'argent? Désolé. Antipète, c'est à 1000 pattes. L'état de mon appart, je vais pas critiquer. Enfin, je vais pas te dire que le tien est bien, mais juste te dire que c'est un peu pareil pour tout. Et aucune isolation. Ça, je suis pas frileux en temps normal, mais j'avoue que cet éternel, c'est particulièrement rude. Moi j'ai pas d'insectes, ça va, mais je suis au centre-ville donc. Ça joue un peu. Poisson d'argent, c'est un insecte rampant. Je connais pas. Enfin, ou je connais peut-être, mais je connais pas sous le sang. T'as remarqué, Philo, que j'ai pas reset les grades encore? Je suis un feignant. Je le ferai, promis, avant demain. Donc je le ferai après le live. Oh, le truc de bâtard, quoi, où il y a un coffre caché, si tu fais pas attention. Mettre sur le Discord que je suis un connard de menteur. Bon, je pense qu'ils sont au courant. Il y en a un qui appelle l'autre, quoi. Donc en gros, si tu réussissais à résoudre le problème des centipèdes, des poissons d'argent, tu aurais plus de centipèdes. Comment résoudre le premier là.
pas être si simple que ça. Non, ça serait déjà fait. T'avais mis ça sur le Discord? Donc création? Non mais sérieux? Ah je sais c'est quoi du coup. Ah mais je le supprimerai après, t'inquiète pas Zencho. Ne te prends pas la tête. Je vais finir une affiche. Quand je l'aurai fini, je supprimerai les pastilles. Oh, mais je comprenais pas parce que j'étais sur le général et je voyais rien s'afficher. J'ai l'habitude de faire le nettoyage sur le Discord. Oh oh. Faut pas que l'épée du héros elle soit revenue déjà. T'as dit de la merde à Lucarne. C'est pas bien de mentir comme ça aux gens. Le mec, il remet la faute sur Alucard alors que c'est de sa faute au final. Bah voilà quoi. Je suis un connard. Merde! Ah oui, le centipède, c'est bien moche. Hein. C'est pas ce que la nature a fait de mieux, quand même. Prends ça dans ta gueule! Essaye de faire fuir Shiloh. Ah parce qu'avec moi ça va pas marcher. Je dirais pas que je suis... Je dirais que... Manifestement c'est le seul insecte qui a fait ça. Et on a tous, hein. Moi par exemple, tu vois, les araignées. Autant les voir, même une araignée sur ma main, j'en ai pas trop peur. Autant les toiles d'araignée. Toiles d'araignée, c'est le truc qui me... Mais pas la vue, hein. J'ai pas peur de voir d'une toile d'araignée. Mais au contact, comme ça, dans le noir... C'est bizarre des fois la façon dont on va agir. Genre moi j'aurais pu mettre la main dans le bocal de Fort Boyard, pas de soucis, mais j'aurais pas pu me balader dans le couloir noir là où il y avait des toiles d'araignée partout. Enfin, j'aurais pu mais j'aurais été dégoûté. C'est peut-être à faute de Fort Boyard aussi. À force d'entendre les gens hurler. Pas impossible.
Ah non, mais une araignée à vivre, c'est pas chiant, hein. Part de tomber sur un modèle spécifique, tu auras envie de te casser les couilles. Proportionnel à leur taille. Ouais, enfin, à un moment, quand t'as des araignées qui font la taille de ton poing chez toi, c'est que t'habites en Australie. Et voilà, on peut plus rien faire pour toi. J'aimerais le croire. Je... C'est ça? Il y a vraiment deux trous. Il n'y a qu'un seul trou derrière. À briller, c'est peut-être aussi la sueur. Ça, c'était ma blague à moi, ça. En fait, quand on me disait en fait, t'es un vampire, je fais non, non, je suis un gros porc. C'est mon petit côté troll. On va éviter d'aller exciter un gardien. On n'a pas l'épée. Hein? Les porcs, ça vaut bien mieux que les humains. C'est Léon qui me l'a dit. Léon, il est nettoyeur. Un porc. Un porc, ça se mange. Non, mais c'est vrai que je suis gros et je transpire beaucoup. Bizarre. Mais ça va, ça me va bien. Hein. Ne t'inquiétez pas. Je vais pleurer, mais. Non, ça va. Pas triste. Pas marre. Les porcs, ça ne transpire pas, il me semble. Image. Je me suis fait cambrioler! Ah non, c'est bon. Le jeu avait juste du mal à afficher. Voilà. Là, on a l'arme Zora, là, on a l'âme Gerudo, et là, on a la lame Goron. T'avais pas un bouclier. Un arc. On a les deux boucliers à foutre, et on a les arcs aussi. Ça. Ça, c'est un petit peu précieux, tu vois. Je me suis pas encore occupé des boucliers. Ah mais j'ai de la place pour les boucliers. Ah non. Ça c'est le bouclier Gerudo.
J'ai une belle petite collection quand même. On va aller ramasser des pommes sur mon pommier. Des pommes sur un pommier? Ah, je sais, c'est révolutionnaire comme idée. Mais calmez-vous, tout va bien. On maîtrise. Maîtrise, je vous dis. On maîtrise. Calmez-vous! Hey, bonjour à toi, Sierra Gaming Dawn. Sierra. Merde, je dévoile toutes mes blagues. Faut que j'arrête. Plus possible. Point, point. Il y a un pont. Bon, alors, est-ce que le Gerudo l'a aidé? Enfin, le Gerudo, là. Le Goron. Arrête de dire des conneries, mais... Pas tout ça. Du coup, Sierra, je suis sûr de pas t'avoir vu cette année. Du coup, je te souhaite une bienvenue à quel live et une bonne année. Ouh. Salut. Merci. Vous n'êtes pas obligé de me vous voyez, vous savez, monsieur. Une Gerudo qui sait faire des vêtements et dont le prénom finit par Yesh. Est-ce qu'on peut pas lui envoyer le travelo? On joue sur Switch, la version avec les DLC. Tu peux pas t'acheter tes diamants. Garde-les pour toi, petit. Et pour avoir fait la version Wii U, si vous avez une Wii U et que vous voulez faire le jeu, n'hésitez pas, hein, vraiment. Utilise quel type de boîtier? Alors j'utilise une carte Avermedia, capture que je vais te donner le lien sur Amazon. Et je n'ai pas de thune à me faire avec, hein, donc je peux vous donner des liens à la con Amazon. Je devrais demander à Vermedia en fait, parce que je passe mon temps à donner des noms de produits de chez eux, mais...
Voilà. Ça, c'est la moins chère. Elle est en interne. Faites attention quand vous achetez des boîtiers externes. Parce que le boîtier soit un boîtier de streaming et pas juste d'enregistrement. Bien sûr, cela demande forcément un PC. C'est bon. C'est la vie. Ok, avec les boîtiers de streaming, je sais pas. Jamais essayé. Je sais juste qu'il y a deux types de boîtiers. C'est l'ambre brut. Oh, la pluie me fait un peu chier là par contre. Bien avoué. On va aller chez les Gerudo. Oui, ici. Ah oui, je pensais qu'il y avait un. Je le pense encore. Hein. Oh, j'ai eu un game over là-bas. J'ai dû sauter dans un trou encore. J'aime sauter dans les trous. Avec les potiers, ce qui me fait peur. Alors oui, il y a des problèmes en... avec les boîtiers, il y a un léger, et un léger délai souvent avec la l'image en fait. Et le son du coup avec. Après en USB 3, maintenant ça marche très bien. Hein. C'est toujours pareil, il faut prendre le dernier boîtier, il faut avoir un ordinateur qui a un port au moins USB 3 et pas le mettre sur un démultiplicateur. J'avais un collègue qui faisait ça, il s'est mis au stream et en fait il avait mis son boîtier... un démultiplicateur. Je lui ai dit, mais plus tu tires sur ta prise USB, moins ça sert à quelque chose d'avoir du USB 3, quoi. Mais bon. C'est pareil, hein. Avec sa carte, tu n'as pas... Non. Non, non. Une fois de temps en temps, je reboot le codec son. Souvent au démarrage d'OBS. Et c'est plus un problème d'OBS et de la carte que du truc. J'ai jamais de soucis de décalage d'image par rapport à mon jeu. Quand j'appuie sur le bouton, ça saute. La musique est avec. Zinia, non, c'est pas toi. Rogor. Toi, je sens. Je sens que t'aimes pas ton métier. Ça va, ça va. Non, c'est pas bon. A bientôt. Oh. Faudra faire des courses de morse plus tard. Je suis une femme. Ouh, 20 rubis la séance, ça fait pas cher. Hein. Merci pour le café. Je savais même pas qu'il y avait des journaux en fait. Café, 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 café. Café. Pas qu'il y avait des journaux, donc je pouvais pas savoir qu'il y avait des reporters. Ah.
café, prenez un café, 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 café. Vu tout ce que j'ai consommé en café là, ces trois derniers jours de travail que j'ai fait, je pense que je vais m'en passer tout le week-end pour le coup. Je me suis promis de diminuer un peu la caféine. Dire que j'étais à 10 cafés par jour, on n'est pas loin de la vérité. Qui n'est pas très bon pour la santé, il faut le reconnaître à un moment. Je pense que quand on atteint la limite de 10 cafés par jour, faut commencer à se dire qu'il y a un problème. Genre le fait de dormir 2 heures dans la nuit et de devoir travailler 7 heures. Ça va, ça va. Non, t'as pas le bon nom. Au revoir. J'ai des lames banales. Au bout de 6 jours. Ah putain, j'aimerais. Ah ouais, j'en avais besoin. Galerie mise à part. C'est pas frais. Sont intenses. Bah moi je vais te dire qu'ils sont bien serrés. Après ils sont pas très bons. Ça va, ça va. Bah, c'est un autre problème. Ouais, t'as trop raison. Coucou, je suis nouveau. Salut, tu vas bien? Hey, salut Xtock. Et je t'aurais parlé même si tu m'avais pas follow. Hein. C'est juste que j'étais en train de lire le dialogue du jeu. Et du coup, bienvenue sur Backel Live, merci pour le follow. J'espère que tu vas bien. Ça va, ça. Ah mais c'est vrai, je parle aussi avec... Non. Salut, je suis nouveau. Non, toi c'est... Oui, c'est vrai, c'est vrai. La blague classique du Zenshu. J'oubliais celle-là. Ah putain. Ah, t'es un des plus anciens Zenshu, pour tout te dire. Enfin, un des plus anciens et plus actifs en fait. Il y a des gens qui sont plus vieux que toi sur la chaîne, mais il y en a peu qui sont encore actifs. Actifs sur la chaîne, hein. Après, est-ce qu'ils continuent à aller sur Twitch? Je sais pas, hein, je les stalke pas. Je vais vous stalker, je vais tout savoir de votre vie. Non, ouais. Je pense que ça me ferait trop flipper. Découvrir que ça se trouve, vous êtes des psychopathes. Et que vous mangez des... Prends des bombes Sonic.
à faire. Pas des bombes Sonic. Et des bombes en forme de hérisson bleu. Kazuo nous régale. C'est moi le patron. C'est vrai, le plus ancien abonné, c'est Kaz. Je suis un peu sa pute d'ailleurs. En général, quand il me dit Baka au pied, Baka au pied. Obligé. Dans le million, on m'appelle la pupute de Kazuo. Salut Kaka, salut Zuzu, salut Oho et bonne année. Je crois pas t'avoir vu depuis le début d'année. Non, tu n'as pas d'ailes. Pourquoi? Parce que Red Bull me donne des ailes. Faire sortir du sol avec des bombes Sonic, et il suffit d'avoir des bombes normales pour ça. Baka à pied. Ok, je vais faire comme si j'avais tout compris et je vais secouer la tête avec beaucoup de vigueur et d'enthousiasme. Battre avec un insectoglaive. Ah, j'aimerais bien, mais non, là, c'est pas possible. Ah, mais il y a aussi les ailes Bacael. Ah, vous voyez des trucs. Mais ça s'écrit pas comme ça, en fait. C'est forcément Bacael, en fait. C'est l'enfer de Baka, en fait. Il a un Bacael. Pourquoi vous s'en voulez à mon pseudo? Du coup, Sierra, il est parti. Il est allé acheter une carte Avermedia. Direct. C'est pas la première personne qui me demande comment je stream de la Switch, mais en fait, les gens ils streament quoi? Enfin, et comment ils streament surtout? Xbox et PlayStation ont bien leur logiciel à eux, entre guillemets, mais... Ah, t'es toujours là. Du coup, comment tu streams d'habitude, sans carte? Ça m'inquiète. L'émulateur, bah du coup, ça marche pas pour tout. Quoi que tu vas me dire, avec un bon PC, les AAA sortent surtout. Les PC, ouais.